Chers membres du groupe scout Savornir de Brazza, nous vous interpellons aujourd'hui car le 31 août, nous ne serons plus responsables de groupe. Quelqu'un doit nous succéder. Être responsable de groupe, ça consiste en quoi? C'est avant tout travailler en équipe. On peut être 2, 3 ou 4 responsables. Nous, on est 3. Laetitia, Stéphane et Alexis. On se voit souvent, on se téléphone souvent et on se répartit le travail. Mais nous avons aussi une super équipe de groupe sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Notre aumônier, François, les farfadultes, Bénédicte et Christophe, les chefs Louveteau et Jeannette, dit les chefs Orange, Anne-Sophie, Théophile, Mathilde, Guilin, Jacques et Fanny, les chefs Scout et Guide ou chefs Bleus, Fleur, Guillaume, Rebecca et Mathieu, les chefs Pionniers et Caravelle ou chefs Rouges, Jessie, Antoine, Marie-Laure et Louise, les chefs Vent du Large, Mathieu, Clémentine et Nathalie, la chargée de mission, Pauline, la secrétaire, Aude, les trésoriers, Baptiste et Catherine, les responsables matériels, Antoine et Jean-Emmanuel, la responsable calendrier, Adeline, la responsable des dîners 4x4, Amélie, les accompagnateurs compagnons, Benoît et Elisabeth, Delphine et François, Aude et François, les Cléophas ou responsables vie spirituelle, Élise et Laurent, Mireille et Jean-Philippe, Cathy et Emmanuel. Être responsable de groupe, c'est s'assurer que le groupe fonctionne. Créer et entretenir le lien avec les chefs, les parents, les jeunes, coordonner l'équipe. En résumé, c'est une très belle aventure. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est à la portée de chacun. Il n'y a pas de prérequis. On peut être dans le groupe depuis 1 an ou 10 ans, avoir été scout ou pas. La seule condition, c'est être adhérent au mouvement. Et ça, nous le sommes tous. Et puis, pour aider les responsables de groupe, il y a des interlocuteurs au niveau local. Christine et Pascal, Jacqueline, et aussi au niveau national. Là, ils sont nombreux. En plus, il y a des tas d'outils à notre disposition. Il faut le savoir, on n'est jamais seul face à une question. Alors, une chose est sûre, chacun d'entre vous, on doit se sentir concerné par l'avenir du groupe. Et puis, en septembre, on ne peut pas dire à nos enfants « Le groupe scout a fermé, il n'y avait plus de responsable de groupe. C'est triste, mais c'est comme ça. » Non, on ne peut pas leur dire ça, vraiment pas. Alors, on compte sur vous !